Bien bonjour tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Rime. J'espère que vous allez bien, on est toujours dans l'espèce de désert, ce que j'appelle le désert, mais qui est surtout protégé par un oiseau démoniaque que nous essayons de faire fuir grâce à des tempêtes, grâce à de l'obscurité. Et je pense qu'on va pouvoir quitter cette zone aujourd'hui parce que ça me semble être la troisième et dernière tour qui va me permettre de retourner sur le pont, chercher le globe d'or. Et on était arrivé là. On avait trouvé pas mal de serrures la dernière fois, deux, si je ne me trompe pas. Donc j'ai bon espoir de trouver encore des choses. D'après les commentaires, j'aurais raté des trucs sous l'eau, mais bon, pas des serrures. Donc au pire, c'est pas très grave. Je pense que c'était des emblèmes ou des jouets. Mais pas de serrures et pas de messages concernant une ombre blanche, donc je pense qu'on est bon. Voilà, continuons. Continuons. Est-ce que je peux... C'est beaucoup trop haut là. Là, c'est beaucoup trop haut. Là, c'est pareil, c'est trop haut. Peut-être là-bas. Attends, grimpe là-dessus. Est-ce que je peux l'activer, lui, d'ici? Non. Il y a encore la notion... Attends, quoi? Ah! Il y a encore le truc... des ombres, enfin du soleil et de la lune, là. Ok, il faut que je puisse monter, moi. Est-ce que vous pensez que je peux monter, là? C'est trop haut, ça. On va voir. J'ai quand même un doute. Ah, non, j'ai... Ah, non, c'est bon, regardez. Ok, donc je fais ça. C'est cool. Je sais pas si je peux passer dans le trou qui est ici. Mais on va avoir accès à l'autre petite statue. Oh, bon Dieu! Non, mais ça va pas. Oh la vache, il m'a fait flipper le truc! Dégage! Mais en tout cas, je suis passé. Voilà. Ouf! Je m'attends pas à flipper sur ce jeu, alors du coup, je suis trop... Justement, je suis pas sur mes gardes. Je suis trop serein. Et après, je me fais avoir. Bon, ça, c'est cool. Je dois pouvoir remonter, en fait. Ouais, ok. Je comprends l'idée. Donc, après... Non, pas comme ça. Ah bah super. D'accord, donc lui à droite, il faut absolument qu'il soit activé. Mais vous êtes pénible. Attendez. Monsieur le jeu, vous êtes bien pénible. Ce que je veux, en fait, c'est que le truc du milieu descende un peu. Mais là, il descend trop. Et là, il monte trop. En fait, il n'y a pas le choix. En fait, il n'y a pas de notion de hauteur sur les trucs. C'est soit monté, soit descendu. On est d'accord que là... C'est bien trop loin. Attends. Quel est le... Voilà, c'est lui. Je me demande si je peux... Attendez. Faut que je fasse un petit check. Bah voilà. Ok, c'est pas tout à fait ce que j'espérais, mais ça fonctionne.
Ça fonctionne. Somatoline cosmétique, tout ça, tout ça. Et on peut passer. Voilà. Donc là, je vais pouvoir sauter sur, sur les trucs. Bonjour, vous. Ça va, allez, dégage, dégage. Saloperie. Hop. Hop. Ok. Bon. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ouf. Ok. Bah encore une fois, ce dessin sur la mer, sur l'océan, avec ce bateau. Est-ce que c'est vraiment l'oiseau que ça représente? On avait déjà eu cette vague. Enfin, on avait eu une vague avec une espèce de bec comme ça. Est-ce que ça représente l'oiseau? Je sais pas. Est-ce que il aurait fait naufrage à cause de l'oiseau? Je me demande. Oh non, mais ça suffit, toi. Faut vraiment arrêter. Enfin, je veux dire, c'est un peu abusé, là. On dirait qu'il y a un petit passage, là. Je sais pas. Bon, je grimpe. On verra bien. Hop ! Mais c'est pas possible ! Mais arrêtez tout, quoi. Oh, j'étais en train de me dire, oui, je vais vous mettre des petits sondages pour savoir si vous avez sursauté, mais je vais pas en mettre 15. J'arrête pas de sursauter. Est-ce que vous aussi? Voilà. Je vais essayer d'en mettre qu'un seul. Qui sursaute, là? Moi, oui. De toute façon, à chaque fois qu'on est sur un jeu censé être calme... Ouf. Tout part en vrille après. Bon, c'est pas grave, on était censé descendre. Il est là, hein, il vient de se reposer là-haut, non? Je sais pas, je l'ai entendu. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes un relou, monsieur. Un gros relou. Tu peux pas casser ça, là? Bon, ok, ok. Je vais monter là, mais c'est bizarre. Vas-y, 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 vas-y. Voilà, alors, avec l'angle de caméra, il veut pas faire ce que je veux. Voilà, il y va, c'est bon. Je n'ai pas été surpris. Parce que là, c'était évident. Oh, mais regardez-le! Mais please! Eh! Vous êtes un sacré relou! Est-ce que je peux sauter là? Alors, faut... Oui, s'il accepte. Voilà, s'il accepte. Déjà la dernière fois il était très dissident. Plus le jeu avance, moins il est coopératif. Peut-être qu'il est lui aussi atteint par tout ça. D'ailleurs j'ai vu un commentaire qui disait oui les personnages, vous savez les espèces de fantômes, peut-être que c'est des gens... comment dire... qui le repoussent dans la vraie vie. En fait la suggestion de cette personne c'était... que notre personnage était très seul dans la vie, qu'il était repoussé par tout le monde, sauf ses parents, parce que bah, ses parents l'aiment, quoi. Et que ça représentait un petit peu ça. Ouf, c'était un peu... Attends, non, faut passer en dessous. Allez, on devrait bientôt pouvoir s'en débarrasser pour de bon. J'ai bon espoir que ce soit fait avec ça.
Ok, bon, je pense que cette fois, c'est tranquille. Normalement, on a débarrassé toute la zone de la lumière du soleil. Donc, on devrait être bon. Alors, super, ce saut était pourri. Par où m'en aller, par contre? Ah, si, attendez. Oh, bah tiens, voilà, la réponse est là. Coucou, toi. Je m'explose un petit peu. Attends, attends, je vais te suivre, je vais te suivre, hein, mais avant ça, il faut clairement qu'on fasse demi-tour parce que bah, il y avait toute la zone où on se cachait qui est maintenant accessible. Oh, attends, doucement quand même. Je tente l'expérience, ça passe. Et ça donne tout de suite une autre ambiance avec tous les petits fantômes qui reviennent, là. Voilà, toute cette zone-là n'a pas pu être explorée. On va forcément y trouver quelque chose. Ah, je sais pas, ils ont vraiment l'air d'avoir peur, quoi. C'est pas quelqu'un qui leur repousserait. Ah, je sais pas. Est-ce que je vais me faire attaquer encore là? Non, hein. Pas déconner. Ah! Ah, bah voilà, parfait. Parfait, 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 parfait. Donc ça, vous me l'avez confirmé, hein. Ça sert entre guillemets à rien maintenant. Mais si on trouve les quatre... on aura quelque chose à la fin. Et effectivement, ça représente forcément la mer. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et je crois que j'avais vu aussi que le quatrième était assez vicieux à trouver, donc j'espère que je tomberai dessus. Mais... est-ce qu'il faudrait pas quand même faire le tour par là-bas? Est-ce qu'il y avait que ça à trouver? On fait le tour vite fait de l'île, enfin de l'île de la tour là, et après on va suivre Firefox. D'ailleurs, il y a toujours cette fichue zone que je supposais être un autre chemin pour... enfin, que les deux chemins se rejoignaient, mais enfin bref, vous savez, on a déjà parlé plusieurs fois de cette zone. Waouh, il y a des bruits bizarres. Pourquoi il y a des bruits bizarres? Mais... je comprends pas. C'est ces pierres-là qui bougent là-bas. Sans trop de raison. Je sais pas trop. J'arrive, 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 ok. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir autre chose, hein. Curieusement. C'est vrai qu'il y avait d'autres chemins ici aussi. Je crois que ça y va. Je passe à gauche, ok? Vite fait, hein. J'arrive, je te jure, j'arrive. Je passe vite fait par là. Alors, ouais, ok. Déjà, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il y a clairement autre chose à gauche. C'est stressant les bruits de fantômes parce que j'ai l'impression tout le temps que c'est le bruit d'une ombre blanche. Je crois qu'elle fait à peu près la même chose. Mais non mais... oh, ne me remets pas au début, qu'est-ce que... où es-tu? Ok.
Où suis-je? Ah, ça revient ici, on a déjà vu ce passage. Bon, bah ça sert à rien. C'est Mais c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, on retombe sur l'autre chemin, parce que c'est clairement un truc qui est pensé pour passer de ce côté. Je me demande si c'est pas pensé pour passer là, quand il y a encore la lumière du jour, quand il y a l'oiseau, quoi. Je prends un chemin qui n'est pas du tout prévu à cet effet. Mais je n'ai pas peur de la mort. Non ! Bon, néanmoins, une question subsiste. Comment remonter au niveau de la boule dorée? La golden boule. Oh! Ok, bon. C'est une bonne chose si on a réussi à compléter ça. Ah! J'essaie de prendre des petits raccourcis. Et je me plante totalement. Où est-ce qu'on va atterrir là? Serions-nous à l'endroit exact? Oui, on y est, ok. Bon, c'est une bonne chose ça. C'est une bonne chose, ça confirme qu'on n'a rien raté de... d'énorme en tout cas. Ça revenait bel et bien ici. Bon, du coup, comment remonter? Par là, là, derrière le truc. D'accord. Ah oui. On l'avait croisé, ce machin-là. Bon. Et du coup, on va pouvoir réexplorer la tour. La grande, grande tour. Petit check par le bas là, non? Attends. Où est-ce qu'il faut que j'aille là? Ah, ici. Il fait pas ce que je veux, au secours! Grimpe, merci. Il a été grillé, l'oiseau. Le poulet est cuit.
Oh oh, le poulet est encore vivant. Ok, c'est bon. C'est bon. Bon, et du coup, on peut reprendre cette histoire d'ombre. Ah! Stop, lâche, voilà. Wow! Ça a l'air stylé là-bas. Et j'aime beaucoup les musiques. Hein. C'est très Miyazaki-esque, encore une fois. Ce style, j'aime beaucoup. Ah, ça a l'air trop stylé là-bas, j'aime bien ça. Et du coup, nouvelle zone, hein. Nouvelle zone, mais qui a l'air bien insupportable. Oh, le bon surnom de l'oiseau. Ah oui, mais d'abord, on a une scène un petit peu comme ça, un petit peu souvenir. Ok, attendez, faut que je bouge. Du coup, on revoit un petit peu ce voyage en bateau avec son père, là où il serait possiblement mort, d'après nos théories. Voilà, et du coup, là, on va sur la prochaine zone. Ok, je pense qu'on va à chaque fois avoir un petit peu plus d'informations sur cette scène. Bon, alors là, il y a une tonne de chemin. Il y a une tonne de chemin et il y a l'air d'avoir un petit peu plus de végétation. Mais attendez, mais il y en a partout. Il y en a absolument partout. Vous voulez que j'aille où, là? Ouah, mais dans quel labyrinthe on s'engage? Attends, quoi? Attendez. Oh non, ne me faites pas ça. On n'est pas dans une autre salle, on est dans la même salle.
Là, le grand arbre comme ça. Ouais, ok. Ça s'annonce bien pour la prise de tête, ça. Bon, finalement, il n'y a pas tant de chemin que ça. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas un. Qui mène à un vrai truc. Non, c'est encore un escalier infini là. Oh non, 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 ne me faites pas ça. Ne me faites pas ça. Ok, ok. Ah, ça retourne là-bas. Oh, on est foutu. Voilà, j'ai fini ma vie ici. Voilà. Je suis devenu fou dans cette salle. Oh non. Ok, attendez. Bon, on va tenter d'autres choses. Hein. On n'a pas fait tous les couloirs. Peut-être que le couloir de l'arbre est plus mieux. Je sens qu'on va atterrir de l'autre côté. Ah, non. Oh la vache. Hey. J'ai cru entendre chanter. Oui. Ah. C'est super mignon, hein. J'aime beaucoup cette zone. Mais vous... c'est clairement... Voilà, vous le voyez. À chaque fois, il y a une petite seconde de... Voilà, hop, on vient de repasser dans la boucle. Hop, ok, bon. Attends, il n'y avait pas de mur tout à l'heure. Il y a une serrure, il y a une serrure. Oh là là. Mais c'est un truc secondaire, là? Ok, le père qui... Attends, quoi? Attendez, attendez, quoi? Donc, le bateau... Mais le père n'est pas avec. Et il a l'air 100% triste. Est-ce qu'on aurait abandonné le père? Mais on est bien jeune pour... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que... C'est bizarre. Ok, donc on abandonne le père, ou le père nous abandonne, mais c'est, il a l'air de nous, tu sais, de vouloir nous arrêter un peu, ou de nous dire au revoir, donc ça a pas l'air, c'est bizarre. Je trouve ça curieux, je pensais que le père était avec nous, moi, non? Bizarre, 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 bizarre. Il reste 4 serrures, j'espère que j'en ai pas raté. Alors, est-ce qu'il y a un vrai truc ici? Ou est-ce que j'ai simplement trouvé un truc secondaire? Non, il y a une vraie ouverture en face. Bon, écoutez, on arrive quand même dans des zones étranges. Hein. Et une nouvelle fois, la salle du trône. Plusieurs fois, on est tombé là-dessus. Hein. Qu'est-ce que c'est joli! J'aime trop ce genre d'ambiance. Ça me fait penser au château dans le ciel, pour le coup. Justement, on parlait de Miyazaki. J'aime beaucoup ce genre d'ambiance. Alors, je ne vois plus Firefox. Tu ne veux pas me guider quelque part? Ah, il faut plonger ici. Attendez une seconde. On va quand même d'abord faire le tour.
pas l'air d'y avoir quelque chose de particulier. Hein. Ouais, bon, on va plonger. Ouais, j'adore, je vais adorer l'exploration ici. Enfin, quoique, parce qu'ils nous font des espèces de labyrinthes qui tournent en boucle. Merci, mais non merci. Hein. Si vous voulez pas que je me prenne la tête. Super, les petits cristaux là aussi. Ah, je suis vraiment sous le charme, moi, des graphismes. Enfin, voilà quoi, vous avez compris. De la direction artistique, voilà, je vais y arriver. Attends, une seconde. Non, y'a rien ici? Ok. C'est vaste ici. Hein. Ça m'a toujours fait marrer, ça, dans les jeux. Le coup des bulles d'air au fond de l'eau pour respirer. Vous imaginez reprendre votre souffle avec une bulle d'air en bas, là. Ça me paraît tellement compliqué. Je ne sais pas où je me rends. Je ne sais pas où je me rends, mais je manque d'air. Au secours. Bulle. Ah. Y'a un truc en haut là ou pas? Attendez. Oh là. Ok, oh bah super. Je pensais avoir trouvé le chemin principal, mais... C'est pas de refus, là. Ok, on arrive sur... sur une nouvelle zone, donc nouvel emblème. Mais il y a quand même le tout dernier emblème qui est curieux. Vas-y, replonge. J'arrive plus à parler. Je pense qu'il faut que je fasse demi-tour. On est d'accord que là j'étais venu ici, mais c'était pas le chemin principal. Enfin, j'ai cru finalement tomber sur le chemin principal après, mais. Il y avait autre chose avant. Voilà, c'était ici. J'ai mis comme titre à l'épisode précédent Passage sous l'eau, mais là c'est clairement plus impressionnant. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop ce style. Allez, je veux ressortir d'ici et tomber encore sur des ruines avec plein de végétation. Par ici. Les FPS ne sont pas très stables ici. C'est pas très fluide. J'adore. Oh! Ah, mais il m'empêche de passer, Oh là, les FPS ne sont pas stables du tout d'un coup. Calmez-vous.
Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je sais pas ce qui se passe dans cette zone, mais c'est pas stable. Non, c'est pas très grave parce qu'on va se laisser dans pas longtemps, donc si jamais il y a des réglages à faire. Ah ok, bah la lumière va sûrement leur faire peur. Voilà, et on peut passer. C'est eux qui m'ont fait baisser la fluidité en plus. Tiens, le retour des statues comme ça. Non, c'est reparti là, les FPS repartent dans... Ah non! Oh là, mais ça c'est agressif ces trucs! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu... Mais ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ça y est, ça va mieux. J'ai l'impression que j'étais en train de devenir un fantôme. Pas de frayeur comme ça, là, voyons. Ouh, que c'est grand. Ouh, que c'est... Oh là 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 là. C'est bien trop grand pour une exploration aujourd'hui, ici. Ça me paraît bien trop grand pour cela, il faudrait qu'on s'arrête. Attendez, je vais tenter un truc. Voilà, on va grimper. Voilà. Ah bah tiens! T'es là, toi! Ah mais les FPS, ils veulent plus de moi du tout, hein. Je vous préviens, là, c'est... J'avance un tout petit peu, je pense qu'il va y avoir une sauvegarde ici. Bon, j'ai pas spécialement de sauvegarde, c'est pas grave, on va s'arrêter. Faudra quand même réexplorer rapidement derrière nous, parce qu'il y a possiblement quelque chose. Écoutez, allez, cette fois j'essaye de passer à la cam. À chaque fois j'oublie à la fin maintenant, n'importe quoi. Allez, allume-toi. Voilà, super. J'espère que l'épisode vous aura plu, j'aime beaucoup l'ambiance de ces ruines avec végétation. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Et j'espère que vous aussi, on a trouvé une nouvelle ombre blanche. On a trouvé une serrure? Oui, on a trouvé une autre serrure en plus. Donc, j'arrive! Enfin, la prochaine fois, ok? Il me crie dessus, là. Donc, j'aime beaucoup cette zone. Le jeu, lui, n'aime pas trop parce que les FPS descendent. Mais bon, je trouverai peut-être un moyen de... Et peut-être un réglage à baisser, je sais pas. Parce que le problème, c'est que dès qu'on record, vous savez, dès qu'on enregistre, ça demande beaucoup plus de ressources. Bref, on s'en fout un peu. On se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.